Bonjour, c'est Céline Bonassina. Je viens vous parler du système de micro que j'utilise sur scène pour mon saxophone baryton. C'est un micro à deux cellules de la marque AMT. C'est fait aux États-Unis. Donc c'est le AMT TA2. Et son atout, c'est justement, grâce à ces deux cellules, d'avoir une retransmission du son d'une qualité proche de l'acoustique et d'avoir une homogénéité parfaite sur l'ensemble du registre de l'instrument, à savoir les graves, le médium et l'aigu, ce qui n'est pas toujours une chose facile à obtenir au saxophone baryton. Alors, en fait, quand on achète ce micro, il est vendu séparément et il y a deux choix possibles. Alors tout d'abord, il y a le choix du système HF. Donc c'est ce que moi j'utilise avec un transmetteur et un récepteur. Et la chose à laquelle il faut faire attention, c'est pour jouer en Europe, il faut bien choisir la fréquence correspondante. Et sur ce système, c'est 863-865 MHz. Sinon, l'autre solution, c'est d'utiliser un boîtier en filaire, qui est très petit et très maniable, avec également sa connectique, vendue aussi séparément. Et ce boîtier, c'est le BP45. Voilà, donc moi je suis vraiment très très contente de ce système et je vous propose de vous faire une petite démo. Donc, je visse le micro sur le pavillon et après il s'agit de régler la distance qu'on veut avoir entre le micro, enfin, la cellule, en bas et en haut. Voilà, moi je ne les mets pas trop près pour éviter d'éventuelles saturations ou choses comme ça. Donc maintenant, place au son. Et si vous entendez que je superpose des mélodies, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis en train d'utiliser mon looper. A tout de suite! Thank you.
Thank you.